Et donc, c'était un projet formidable pour nous, une expérience que nous avons vécue dans le cadre de la coopération entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire, une coopération culturelle. Et donc, ce projet a été initié par l'ambassadeur d'Espagne. Et donc, pendant quelques semaines, les étudiants et les enseignants ont travaillé autour d'un texte du siècle d'or espagnol, qui est du XVIIe siècle, Fuente Beruna, de Lope de Vegas. Et donc, ça a été une expérience formidable. Comment, le défi était, comment développer une écriture qui pourrait se rapprocher des réalités ivoiriennes à partir d'un texte d'un auteur espagnol du XVIIe siècle. Et donc, on a trouvé la parade, on l'a adaptée, surtout que nous, ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes sortis de guerre. Il y a eu beaucoup de luttes, beaucoup de déchirures. Et donc, nous croyons maintenant que les femmes, qui sont les premières à recevoir des blessures, parce que pendant la guerre, les femmes perdent beaucoup. Elles sont violées, elles sont méprisées, elles sont frappées. Et donc, ces femmes, à travers ce texte, ne veulent plus baisser les bras. Elles veulent lutter. Elles veulent prendre le devant. Les femmes doivent s'engager et dans la politique et dans toutes les luttes d'idées. Voilà. Et donc, nous faisons honneur aux femmes. On a très, très, très souvent ignoré les femmes, même dans le théâtre aussi. Et donc là, nous sommes en train de dire aux femmes que l'avenir de notre pays, l'avenir du continent et du monde aussi, vous appartient. Vous avez votre mot à dire et vous pouvez dire ce mot-là. Et donc, ce texte est vraiment d'actualité. Et surtout que bientôt, nous allons battre campagne, nous serons dans les élections et tout. Alors, nous voulons rappeler à toute la population ivoirienne ce que nous avons traversé. Et donc, en regardant cela, il peut y avoir une sorte de catharsis, prise de conscience au niveau de la population. On ne veut plus traverser ces choses-là. Et donc, les femmes doivent faire cette sensibilisation. Et donc, à travers cette pièce, nous voulons construire, mettre la pierre au niveau de la sensibilisation pour préparer les consciences afin d'éviter toutes ces déchirures que nous avons traversées. Spectacle ici, donc je connais un petit peu l'ambiance et ce que j'aime bien c'est que c'est chaque fois différent, c'est original, c'est plein de joie, de rythme, de couleurs, de rire et tout le monde est satisfait. Donc je reviendrai encore vous voir et participer. Mais très bien, vous voyez, j'ai donné quelques idées aussi avec une petite stand de sucrerie pour accompagner les invités. Et puis, qu'on mélange un petit peu, c'est des sketchs humour, parce qu'il y a une source à l'INSAC inestimable. Donc oui, au spectacle de l'INSAC, et que cela perdure très très longtemps. Uno, dos, tres! Nous sommes très ravis parce que ça c'est un nouveau élan pour la région, en laissant le théâtre en Côte d'Ivoire. Il faut dire que lors de notre prestation pour la première fois là-bas en Espagne, ça a été vraiment très grand réussi. Et ça a donné encore, on peut dire, des codes au théâtre ivoirien, puisque c'est une forme de culture africaine. Depuis 42 ans que le festival existe. Donc, nous aussi, après la crise que nous avons connue, vu la difficulté que d'encontre le théâtre ivoirien, alors partir avec cette pièce-là, dans ces conditions, de la balance du succès qu'on a eu, vraiment, c'est vraiment génial. Ça nous a donné de l'espoir et nous jouons en fierté. Nous défendons ici le droit de la femme ivoirienne à travers cette pièce-là. Nous mettons en exergue l'abus des femmes faites par les hommes, par les autorités qui profitent de leur royauté, de leur gouvernance pour marginaliser un peu la femme. Alors nous avons vu que dans cette pièce, quand la femme prend sa décision, rien ne peut l'arrêter. Elle va jusqu'au bout. Donc en réalité, dans notre société, nous devons avoir plus peur de la femme. Parce que quand elles sont très lentes en colère, elles lisent encore plus le futur, mais nous les hommes sommes beaucoup limités dans ces actions-là. Et quand elles prennent une décision, elles vont jusqu'au bout. Et ce qu'elles ont pu tuer le leader. Lui-là même qui a remporté des guerres, mais une seule femme paysanne qui a réussi à
chansons bonnes. Et je suis heureuse parce que c'est un spectacle dans lequel, comme vous avez pu le constater, on s'amuse beaucoup. Donc c'est merveilleux quoi. Ça vous a demandé beaucoup de travail. Oui, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Au niveau de la voix, au niveau du chœur, au niveau des danses, au niveau de la coordination, vraiment c'était du boulot. Vous étiez de l'équipe d'Ivoire? Non, moi j'ai pas été de l'équipe d'Ivoire. Donc c'est avant tout, vous le souhaitez? Oui, je le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, donc le spectacle va sortir de l'UNSA. Le spectacle est déjà sorti de la Côte d'Ivoire. On a été en Espagne. On est revenu et c'est la deuxième fois que le spectacle joue ici à l'INSAC. En début de semaine, on était à Bingerville, au lycée filles de Bingerville. Les jeunes filles ont bien reçu ce spectacle. On va faire une tournée au niveau de la Côte d'Ivoire bientôt. C'est très très bientôt. Voilà, et donc on a joué au Palais de la Culture dans le cadre du RETAB. On a fait l'ouverture du RETAB au Palais de la Culture. On a joué au CCF, à l'Institut Français, pardon. Et donc, le spectacle est diffusé. Et grâce à votre soutien, on va ramener de plus en plus de public ici pour que le théâtre renaisse. Je voudrais dire merci au directeur de l'école de théâtre parce qu'il a offert un espace où les jeunes et les professionnels peuvent présenter leurs œuvres afin de resensibiliser, reconstruire le public du théâtre, afin de le ramener au théâtre. Et donc, je voudrais dire merci au directeur qui se bat pour cela. Vraiment, merci beaucoup.